Bonjour, bonjour, ici Stéphane, et on se retrouve dans une vidéo mariage sur le match amical Paris Saint-Germain Inter de Milan, défaite du Paris Saint-Germain 2 buts à 1. Qu'est-ce que je suis encore dégoûté côté parisien. On l'a vu hein, quand même pour moi la première équipe parisienne avec la défense Lucas Hernandez, Marquinhos, Skriniar et Hakimi m'a beaucoup plu. Mais après ils ont fait les changements l'Inter du Milan, c'est là qu'on se prend les deux buts hein, à la fin là. Côté parisien, j'ai pas vu une équipe en attaque, il manque vraiment un attaquant quoi. Un Sansu qui joue en attaque, c'est pas bien ça. Après je comprends pas pourquoi le scénario mais pas équité avec Asensio qui joue au côté droit et équité qui joue en attaque. Je sais pas pourquoi il n'a pas fait ça encore. Je vais pas m'engueuler encore une fois, mais c'est un match de préparation. Après on l'a vu quand même des beaux trucs, mais voilà. En plus on marque un joli but, hein, cette frappe à la 70e, hein. Puisqu'on avait la vraie équipe, quoi. Parce qu'après Paris, on fait des changements, tout ça, après perturbé, je pense. On se prend ces deux buts à la fin. Mais cette belle frappe de Vitinha en pleine lucarne, ça m'a dit, on marque le plus beau but de ce match. Après, on se prend deux buts sur contre, après. On se prend deux buts sur contre, après la défaite. Après, qu'est-ce que je peux dire de ce match encore? Pour moi, du match là sur Vitinha, c'est l'homme le plus dangereux de ce match. Et pour moi, je mettrais Vitinha homme du match côté parisien. Après, qu'est-ce que je peux dire encore? Voilà, le petit Zamir Emery, il m'a beaucoup plu. Il y a qui m'a plu aussi. Carlos Soler qui joue dans le côté gauche là, décevant. Après, je sais pas, c'est pas vraiment son poste, mais il a. Luis Enrique a tenté de le faire jouer ici, mais ça a pas marché. Hein. Ça a pas marché. Après, qu'est-ce que je peux dire encore de ce match? Voilà, encore une défaite. On se prend 5 buts en 2 matchs. Et on a marqué que 3 buts. C'est pas trop bien. C'est pas trop bien, mais on a le deuxième match. Un deuxième match jeudi, là. Dernier match de préparation. Jeudi, j'espère. Nos Parisiens arrivera à gagner ce match face à une équipe Corée du Sud. Corée du Sud, mes amis, on verra ça. Comme je dis, c'est un match de préparation. C'est un match de. Les joueurs reprend tout ça. Et nous, on reprend le premier championnat, le premier match officiel, c'est le 13, hein. Le 13 août. Face à Lorient, et comme je dis, il n'y a pas de trophée des champions. Le trophée des champions, ça sera remporté, je pense, à l'hiver. Et voilà quoi. Après, voilà. Je sais, il manque beaucoup de joueurs. Vous avez vu hein, le banc de l'Inter du Milan, c'est juste que les internationaux, quoi. C'est voilà quoi. C'est ça qui manque côté parisien. Après, j'aimerais bien revenir sur Mbappé, tout ça, j'ai le temps de parler là. Pour moi, Mbappé, il doit partir. Moi, Mbappé doit partir du Paris Saint-Germain. À chaque fois, il nous fait la même chose. Pour moi, il doit partir. Et maintenant, quoi, c'est qu'il reste. Il reste encore un mois de transfert et on doit recruter quoi, immédiatement. Et pour moi. Mbappé, c'est plus possible. Voilà, il nous fait toujours la même chose avec ses trucs que ça. Et voilà. Après, ce que je peux dire d'autres, j'ai que ça à dire quoi. Mais voilà. Après, je parle pas de rumeurs tant que les joueurs, tant que le Paris Saint-Germain officie pas les joueurs. Je dis rien. Genre, je commande aucune rumeur. On parle beaucoup de joueurs par-ci, par-là, mais moi, tant que le PSG officie pas, le joueur vient propre. Voilà, c'est mon truc à moi, quoi. Et voilà. Allez, mes amis, moi je vais vous quitter. J'espère que ça vous aura plu encore une fois. Prochain match, c'est face à une équipe coréenne. Je ne sais pas comment ils s'appellent, l'équipe coréenne,
Voilà, que je peux dire. On a vu quand même des bons trucs quand même de ce match Paris Saint-Germain-Inter, mais voilà, c'est. On marque un super but, un deuxième but de Vitinha en 2 jours. Je suis content pour lui. Mais en attaque, vraiment, il manque beaucoup de talent, quoi. Voilà. Bon allez mes amis, moi je vais vous quitter. J'espère que ça vous aidera. Puis encore une fois, n'hésitez pas à donner des commentaires. Et moi je vous dis ciao et vive le PSG et à jeudi pour le prochain match. Bye bye.